Le centre de formation professionnelle industrielle de Bogalasso s'inscrit dans la politique du gouvernement du Burkina Faso d'offrir une formation de qualité et en vue de résoudre les questions d'emploi des jeunes. Nous avons dit que la formation professionnelle doit permettre aux gens, après leur capacitation ou après leur formation, après avoir acquis des compétences, de pouvoir être actif le plus tôt possible. Nous nous inscrivons dans cette nouvelle dynamique du gouvernement d'offrir des formations de qualité adaptées aux jeunes. Pour cela, il faut travailler à diversifier l'offre de formation. Aujourd'hui, nous avons dit que toute action de formation doit être suivie d'actions de facilitation à l'insertion. C'est l'insertion qui est notre indicateur et non la fin de la formation simplement. Ce n'est pas la remise d'attestation qui est notre indicateur. Notre indicateur, c'est l'insertion. Le centre même déjà dispose, grâce à l'accompagnement de l'État, d'une stratégie d'insertion. Et déjà, pour compter de janvier 2023, jusqu'en 2027, assorti d'un plan d'action opérationnel. Donc, et la vision est de faire de nos sortants du centre et faciliter leur insertion et qu'ils puissent contribuer au développement économique et industriel du pays. En termes d'insertion professionnelle de nos apprenants, il faut noter que de nombreux apprenants qui sont sortis du centre ont été embauchés par les entreprises industrielles. Je pourrais citer entre autres Simasso, Filsa, Sofitex, la Brakina, Sosico et Babali et Aurodara. Voilà. Et en tout cas, lorsque nous rencontrons leurs patrons, les employeurs, ils manifestent une grande satisfaction de leur rendement. Et vous avez aussi un autre type d'insertion, c'est l'auto-emploi. Il y a un grand nombre aussi de nos apprenants qui ont pu créer leur propre entreprise. Et ça fonctionne, et ils gagnent dignement leur vie et arrivent vraiment à satisfaire leurs besoins. Après ma formation au centre de formation professionnelle industrielle, on a eu à faire des stages dans quelques trucs que le centre nous avait un peu recommandé. Et à travers ça, j'avais eu un peu d'expérience à travers les équipements que j'ai eu à voir au centre. Donc l'entretien a été facile. Et facilement, je me suis retrouvé avec des équipements ici que j'ai eu à rencontrer au centre de formation professionnelle aussi. J'ai déposé mon stage à Simasso pour un stage pour une durée de 3 mois. Et après, Simasso m'a appelé pour un contrat. Il faut tirer chapeau au centre parce que c'est des enfants qui sont, des jeunes qui sont bien formés, des apprenants qui sont très compétents que nous avons trouvés sur place. En tout cas, nous pouvons qu'être satisfaits et inviter en tout cas le centre à continuer de maintenir ce cap de qualité dans la formation. Voilà ce qui va beaucoup en tout cas apporter à nos différentes usines et à l'État burkinabé. Nous sommes venus comme des monteurs de machines. Voilà, toutes les machines que vous voyez ici, c'est venu par pièces. Nous sommes venus trouver que c'est venu en pièces. Nous les avons montées et nous sommes restés comme des maintenanciers de ces machines. Le centre forme et en théorie et en pratique, et c'est surtout ce qui intéresse nos industriels, avoir des agents dont les compétences sont adaptées aux besoins réels de l'entreprise. Il faut noter que comme accompagnement au niveau du CEPV, d'abord c'est la qualité de la formation que j'ai reçue qui est très capitale pour l'exercice que je suis en train de faire actuellement. En plus de ça aussi, on a reçu des formations en entrepreneuriat
Et c'est suite à ça que j'ai eu l'engouement maintenant de vraiment m'auto-employer. Depuis la création de mon entreprise, j'ai employé 3 personnes à mon niveau. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu ouvrir un autre coin annexe à Kamti. Et il y a une harmonie entre ce qui se passe dans les industries et les formations qui se font au niveau du centre. Cela facilite l'intégration des sortants ou des sorties du centre dans l'espace, dans l'écosystème industriel qui est là. Depuis mon arrivée, nous avons dit qu'il n'est plus possible ou il ne doit plus être possible. Et ce n'est plus normal que l'on forme les jeunes et les abandonner.